Hello everybody, bonjour à tous. Aujourd'hui un petit tutoriel sur le broyeur café de Longhi Dynamica. Today a small tutorial in the coffee machine de Longhi Dynamica. Je vais vous montrer comment démonter en partie le broyeur et comment changer la chaudière du vaporisateur et l'électrovent vaporisateur. I will show you how to change the water heater of the water and also the electrovalve. So, pour commencer, nous allons vider le café. Donc c'est tout simple, hein. Enlever le réservoir d'eau, n'est-ce pas? Enlever le plateau avec le réceptacle. So first we remove the coffee, we remove the water tank and this plate. And as I already said, the coffee. Comme je disais, on enlève le café. On pose la vidéo pour ça. Donc on finit d'enlever le café. So we finish to remove all the coffee. Now we remove this adjusting tool. Maintenant on enlève la molette d'ajustement du broyeur. Et maintenant nous allons commencer le démontage de la cafetière. And now we start to dismount the coffee machine. So we have, in this case, 5 screws. Donc dans ce cas, on a 5 vis. C'est des embouts Torx avec un creux. So we have 5 screws with a special Torx security. We remove all the screws. So we remove the 5 screws. Donc on a enlevé 5 vis. We can remove the cover. On peut retirer le carter arrière. Dans le cas des pièces détachées, sur le site de Longhi, il y a les fournisseurs de pièces détachées. Donc on s'est fourni les pièces détachées sur le site indiqué par de Longhi. Et le service était très rapide et très bon. Ensuite, on va pouvoir retirer les côtés. C'est très facile. Il suffit juste de glisser, retirer. Ce côté-là est un tout petit peu plus difficile. Il faut... retirer ces deux vis. Pas forcément pris le bon tournevis. Perdre de temps sur la vidéo. Vous levez le couvercle. Attention au café qui peut tomber d'ici. Et là, il y a un petit clips. Donc il faut juste. Voilà, le retirer comme ça. Ensuite, la buse vaporisateur. So after you remove the cover and the side by removing the screws, you remove this and also now you can remove here with the 2 screws. Maintenant vous pouvez aussi démonter. Avec ces deux vis. Ici. Here, you remove all these screws.
and you do the same on the other side. Alors nous, ce qu'on a changé sur cette machine, parce qu'elle disjoncte, c'est les joints au niveau de cette chaudière, parce qu'il y a de l'eau qui coule et qui fait disjoncter, et cette électrovanne qui fait disjoncter aussi. In this machine, we have to change the seal in this part and this electrovalve because we have some ground problem and the machine is going off. Donc pour cela, on va déjà désenclencher ici. On va sortir ce tuyau. So we remove these pipes. On va déclipser le couvercle de la chaudière. Il y a trois clips. We will remove this with a screwdriver to remove the cover of the heating. Donc des deux côtés, so in both sides. Voilà. So now this is out. Okay. So donc maintenant c'est sorti. Donc maintenant on va devoir retirer ce clip qui maintient la pièce ici assemblée, puisque c'est de là que ça fuit. Donc on pousse. So we need to remove this part for the assembly. Pushing here. Now this is done. Maintenant, on va retirer le tuyau d'eau de sortie de chaudière en enlevant ce clip. Now we remove this tube at the exit of the heater. Remove this clip. Okay. The same in this side. La même chose de ce côté. These pipes are with these special nuts you cannot remove. Il y a ces anneaux spéciaux qu'on ne peut pas retirer. C'est pour ça que, pour être sûr d'avoir une bonne étanchéité, dans ce cas, j'ai recommandé le tuyau complet. I will replace the full pipe to be sure of the étanchéité. Maintenant, j'ai retiré cette partie qui est connectée à la chaudière. Now we remove this connection to the heater because there is a leakage here with the seal, parce qu'il y a une fuite ici avec le joint. Voilà. It is a seal. Ici c'est le joint qui a priori fuit. Alors pour changer cette pièce, on a la pièce neuve. On voit la différence d'usure des joints. We can see the difference in the new seal and the old one. So we put the new one. We take the new one with a small ring, it's a new one also. We dry it. Donc on mouille ce joint neuf. On le met à l'intérieur. On l'enfonce au fond du logement avec une douille. Voilà. On mouille le joint. We wet the seal. Take the wrench. And we put it back in the heater. That's okay.
on remet sur la chaudière. Donc là, c'est bon. On prend le tuyau neuf. We take the new pipe. We wet. On le mouille. On rentre à l'intérieur. We put inside. Et on met le clip. And we put the special clip to assembly. Now this is good. Maintenant ça c'est bon. Now we can put back this special part. Unfortunately, we have to not damage this part because it's not available in spare parts. On ne doit pas abîmer cette pièce car elle n'est pas disponible en pièces de rechange, malheureusement. For this is good. So now we finish to change here. We will try to change the electro valve. For this, we will disconnect from here and here and the ground. For more facilities, we will remove this one. Support. On va démonter ce support pour pouvoir démonter l'électrovanne. On a sorti l'arrivée d'eau ici. Donc on enlève ces vis. Ici et ici. Voilà, ce qui nous permet de sortir ici le support d'électrovanne. Voilà. On peut voir de ce côté. Ici, on a la fixation de l'électrovanne. On enlève les deux vis. Ces deux vis. So now we remove the support of the water heater and of the electro valve. Right. Now we will remove this tube. On retire ce tube. Ici aussi, on va retirer ce tuyau. On enlève le clip. We remove also this pipe. Removing this clip. We have the electro valve with inside the. The seal, we need to change also all the seals. On doit changer aussi tous ces joints dans le cas du remplacement de cette électrovalve. Je vais préparer la nouvelle électrovalve en mettant les nouveaux joints. So now we have the new electrovalve. I insert the new seals. And now we mount. So this one. Here. Maintenant, après avoir changé les joints, on remonte.
not so easy. C'est pas si facile. Voilà, donc là j'ai inséré le trou au milieu du trou. C'est pas toujours facile. Ensuite, on va pouvoir remettre celui-ci. Ensuite, on va représenter le support. Ça ouvre le put back the support. Maintenant, on va essayer de remettre le support. Donc, il va comme ça avec le fil là derrière. Donc, c'est pas super facile. So we put back the support. It's not so easy. We put the two screws, on met les deux vis. So we finish to put these two screws, donc on finit de mettre ces deux vis. To assembly the electro valve, pour assembler l'électro valve. Position. I need to put one pipe. Where is the pipe? The pipe is here. Ce tuyau là. Non, ce tuyau là il va venir par devant après. Très bien. Donc ici on va repositionner le support. So we will repositioning the support like this, comme ça. So this pipe is going here. This pipe is going behind. So now we can put back in position the support. Donc ce tuyau, il va derrière, le tuyau qui va à l'électroval, va derrière ce support. Ensuite, vous pouvez revisser ici le support de la chaudière. And you can put again the screws of the support of the water heat. The second screw. Deuxième vis. Ok, maintenant vous allez pouvoir repositionner la chaudière. So you put back the water heater, more or less for the moment. Donc on remet plus ou moins la chaudière en position pour le moment, avec ces câbles ici. With the wires here. And put back this cover. On peut remettre ce capot. Ce tube.
and put back this tube. Not so easy. This pipe here, now we have to put ce petit clip. As you can see, it's not so easy. We'll try with this new wrench. On va essayer cette pince. Voilà, c'est en place. Maintenant, nous allons mettre ce tuyau. Attention de ne pas endommager le tuyau. This one was not very easy to put, il n'a pas été évident à mettre, mais il est en place. So now when we finish to put this pipe, maintenant qu'on a fini de mettre ce tuyau, on peut reconnecter l'électrovalve. Alors ici c'est pas terrible, hein, j'aurais dû passer le tuyau de l'autre côté des fils de terre, mais bon, fonctionnellement ça change rien du tout. Donc là on reconnecte la terre, so now we put again the ground. We put the double brown here, a single brown here. Donc le fil marron double à droite, le fil marron simple à gauche pour activer son électrovanne. Et ici, on a remonté tout ce qu'on avait démonté. Donc là, on va pouvoir réassembler cette partie du carénage. On va remettre ces trois vis. Ok, now we'll put also the screws on the other side. Maintenant, on va mettre aussi les vis de ce côté.
pouvoir remettre en position le haut de la plateforme. En le clipsant directement en position. Voilà. Et en remettant ici, bien attention, le joint du moulin à café. Et pour arriver correctement en face des trous de vis. Voilà. Bon. À ce moment-là, vous pouvez remettre les vis à l'arrière de la plateforme. Second screw, la deuxième vis, voilà. Ici nous remettons les tuyaux en position. Maintenant, je vais procéder au test de mon électrovan, de ma chaudière, pour voir si je n'ai plus de disjonction et pour voir si je n'ai plus de fuite d'eau. So now we will test if everything is okay because we change these parts because there was a leakage, a water leakage, and the thermical protection was bad, and also for the electrovan. So we will put in the water, hot water, because the problem was only in this case. And now you can see here in this area there is no leakage and no leakage here. Donc on peut voir qu'avant qu'on utilisait la buse eau chaude, on avait une fuite d'eau à ce niveau-là en sortie de chaudière qui faisait disjoncter, et on avait l'électrovan aussi qui faisait un bruit bizarre et qui faisait disjoncter. Apparemment, il n'y a plus de fuite d'eau et de ni de disjonction, donc je pense que le problème est réglé. So now everything seems to be okay. I think the problem is solved. So we will be able to finish to mount the covers. On va pouvoir remonter les. Donc nous allons donc pouvoir maintenant remonter les couverts. We will can put again the covers. So we will start by the right side. Donc on va commencer par le couvercle de droit. Je vais vous positionner ici comme ça. Ici. Vous devez clipser en même temps. Pardon. Bon, c'est des clips, c'est pas vrai. Voilà. Ce côté est le plus difficile. Ensuite, vous allez mettre le côté droit. Parce qu'il n'y a pas la glissière du réservoir d'eau. Le réglage du moulin à café. Nous allons remettre le couvercle supérieur, le
couvercle arrière. Pardon. Il ne reste plus. Faire revisser les vis de ce couvercle. Vous remettez les 5 vis. Donc une fois que vous avez remis le couvercle, vous pouvez remettre votre café, du bon café. When you finish to put the covers, you can put back the coffee. And put back the last cover. Vous pouvez mettre votre meilleur café et remettre le dernier couvercle. Ce jour, nous avons changé l'électrovanne qui se mettait en défaut et les joints, ce tuyau et ce raccord de chaudière. What we have done is we change this electroval sometimes in default. This pipe with a seal here not very good. All the seals and this big seal in the connection in the water heater for the water, the hot water. Thank you everybody. If this video helps you, you can subscribe and like. Merci à tous. Si cette vidéo a pu vous aider, vous pouvez souscrire à la chaîne et mettre un like. Merci à tous.